Conakry, 13 décembre 2017. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, a pris part à la conférence sur le climat à Paris. Des engagements ont été pris pour la réduction des gaz à effet de serre. Des écoles et des marchés pour la préfecture de Boké. La CBG, compagnie des bauxites de Guinée, multiplie des actions en faveur des populations pour répondre à leurs besoins en matière d'infrastructures. La lutte contre l'insalubrité, deux quartiers de la commune de Ratoma se distinguent. Lambagné et Taouya sont devenus des modèles de propriété grâce à l'intervention de la PME Togobala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République est à Istanbul, en Turquie. Professeur Alpha Condé a reçu ce matin en audience plusieurs hommes d'affaires turcs. Les échanges ont porté sur les possibilités d'investissement en Guinée. Les secteurs des mines, de l'agriculture et de l'énergie intéressent les partenaires turcs. Le point avec notre envoyé spécial, Sanasi Keita. Intéressés à investir en Guinée dans divers domaines d'activité socio-économique, les chefs d'entreprise turcs rencontrent le président de la République à Istanbul. Ils ont tous émis leur souhait au professeur Alpha Condé de s'implanter en Guinée pour participer activement à la réalisation des nombreux projets de développement du gouvernement. Ces chefs d'entreprise, comme Exim Bank, Al Bayrak, ont tous remercié sincèrement le chef de l'État pour la réussite parfaite des travaux sur le PNDES, Plan National de Développement Économique et Social à Paris. Ce qui, pour ces hommes d'affaires turcs, témoigne de l'importance qu'accorde aujourd'hui le président Alpha Condé au développement de la Guinée, mais aussi et surtout à la promotion des activités des couches les plus vulnérables, les femmes et les jeunes. Mais avant la Turquie, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, était à Paris, où il a pris part à la conférence sur le climat. Plusieurs engagements ont été pris pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Sanasi Keita. Le président de la République de Guinée. One Planet Summit. 127 États sont représentés ici à Paris pour prendre part à ces assises sur le climat. Objectif, mobiliser les fonds nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce que nous devons faire dans les heures qui viennent, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui comme une fatalité, pour choisir la vie et la planète qu'on va avoir. Et pour dire, voilà ce que je veux changer concrètement et j'en réponds devant vous. Pour la première fois, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont accepté de ne pas parler. Et je les en remercie parce que faire le déplacement, venir et ne pas parler, c'est très rare dans nos sommets. Non mais c'est vrai. Mais parce qu'ils sont là, engagés et qu'ils veulent aider tous les acteurs dans leur pays. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies rassure. Comme je l'ai dit, les fonds ne manquent pas, c'est la confiance qui fait défaut. Il nous faut y remédier. Cela signifie qu'il faut avant tout veiller à ce que les pays riches honorent leur engagement et apportent 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2020 à l'intention des pays en développement. Nous en avons tous la responsabilité. Cela signifie que le Fonds vert pour le climat doit devenir un instrument efficace et souple, notamment pour les pays les plus vulnérables comme les petits États insulaires et les pays les moins avancés. Ces deux conditions sont indispensables pour que la confiance règne entre pays développés et pays en développement. Et les pays en développement ne sont pas responsables du problème auquel ils ont à faire face, et ce n'est donc que justice que les pays développés leur aident à mener ce combat. Il faudrait donc diminuer d'au moins 11 milliards de tonnes de COD, les émissions mondiales en 2030, pour permettre d'atteindre le principal objectif de l'accord de Paris. Une hausse en dessous de 2 degrés Celsius, température moyenne de la planète, avec la possibilité d'atteindre 1,5 degrés Celsius. À Conakry, la session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi des finances initiales 2018 a pris fin à l'hémicycle. Les députés ont adopté à l'unanimité le budget de l'État qui s'élève à plus de 21 000 milliards de francs guinéens. Cependant, l'Assemblée nationale rappelle au gouvernement de la gestion judicieuse du budget alloué aux différents secteurs. Ablaye Diallo. Fini les travaux de la session budgétaire. Elle est marquée par l'adoption pour la première fois à l'unanimité des députés, le budget de l'État.
Cette session était consacrée à l'examen du projet de loi des finances initiale 2018. Pendant plusieurs semaines, les ministres de la République sont passés devant les élus du peuple pour débattre et défendre ce projet. La pertinence et le niveau des discussions sont salués par le représentant du chef de l'État. Cet examen, il faut le relever, vous a donné l'occasion d'exercer votre mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale qui a porté sur les informations complémentaires ou supplémentaires relatives à la gestion rigoureuse des ressources publiques dont vous autorisez la perception et l'usage par le gouvernement. Aujourd'hui, l'économie guinéenne confirme sa résilience. Le taux de croissance de 3,5% en 2015 est passé à 6,6% en 2016 et 6,7% en 2017. Il convient aussi de souligner la très forte augmentation des recettes qui passe de 13 489 milliards de francs guinéens en 2017 à 16 553 milliards de francs guinéens en 2018, soit une augmentation de 23%. Cette évolution provient des efforts déployés par les services financiers responsables de la mobilisation des recettes publiques, ainsi que de la pression exercée par l'Assemblée nationale qui ne cesse d'insister auprès du gouvernement sur la nécessité d'accroître ses ressources internes afin de faire face à ses besoins financiers. L'Assemblée nationale a surtout mis l'accent sur l'obligation faite aux régies financières et autres constellations du trésor pour verser à son compte tout ce qu'elle mobilise comme ressources. Pour l'exercice budgétaire 2018, les dépenses de l'éducation nationale sont de 14% du budget contre 15% exigé par l'Union africaine. En ce qui concerne la santé et l'agriculture, des efforts restent encore à fournir pour respecter le ratio de l'Union africaine. Dans l'actualité encore, l'initiative pour la perspective économique et le développement durable vient de présenter les résultats de son étude d'évaluation de l'administration publique. La rencontre a mobilisé membres du gouvernement, représentants d'institutions internationales et experts des pays de la sous-région. La démarche vise à rendre plus performante l'administration publique guinéenne. Ça à Marathon. En Guinée, comme dans la plupart des pays africains, les différentes politiques publiques et programmes socio-économiques mis en œuvre, tout comme les résultats, sont rarement soumis au débat public. Pour changer la donne, les cadres des différents départements ministériels, représentants d'institutions et experts de la sous-région ouest africaine, partagent les résultats de l'étude sur la pratique du suivi et de l'évaluation dans l'administration publique guinéenne. Nous allons restituer une étude, les conclusions d'une étude que nous avons réalisée sur la pratique du suivi et de l'évaluation des politiques publiques en Guinée. Autrement dit, dans nos ministères, quel est le dispositif institutionnel qui permet de mesurer les progrès réalisés alors dans les différents domaines. L'analyse des rapports de cette étude va permettre à la Guinée de se doter d'une politique d'administration publique axée sur la bonne gestion des projets d'intérêt public. La restitution des éléments de ces ateliers nous permettra de renforcer les politiques publiques en termes de renforcement de capacités pour en faire vraiment, pour œuvrer vraiment pour une administration moderne, une administration efficace, une administration qui attend à la fois, qui répond à la fois aux attentes et de la population et du gouvernement en termes de gestion. Le centre d'études IPED, porteur de ce projet, est aussi un espace d'échange d'idées et d'informations sur les questions cruciales du développement durable. À travers cette étude, cette structure entend contribuer à l'information des citoyens sur l'impact des politiques publiques et le processus de gouvernance. Le ministre d'État, ministre conseiller personnel du chef de l'État, Thibault Camara, a rencontré hier les présidents des associations de presse et responsables des radios privées. La discussion portait sur la fermeture de plusieurs radios privées pour faute de paiement, des redevances et leur relation entre les médias et l'État. Pascal Dine fait le point.
dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est par ces termes que les pouvoirs publics ont engagé une vaste opération de fermeture de certaines radios privées de la place, suite au non-paiement des redevances et le non-renouvellement des licences. C'est pour trouver une solution idoine à ces malentendus et incompréhensions entre la haute autorité de l'État et les patrons de ces médias privés que se tient cette réunion d'échange et de concertation. La situation de la presse est une situation qui intéresse et interpelle chacun d'entre nous. C'est une liberté essentielle et un acquis de notre démocratie que chacun de nous est appelé à défendre. Il faut que la presse continue à exister pour que la démocratie vive dans notre pays et aussi que les droits et les libertés consacrées puissent éclore davantage. Je peux donc vous assurer que malgré les incompréhensions du moment, la relation avec la presse, en ce qui concerne le chef de l'État, n'a jamais été ébranlée dans ses fondements et dans les valeurs qu'il a eu à partager avec cette presse à une certaine époque de sa vie, jusqu'à maintenant d'ailleurs. À l'issue de cette rencontre, les difficultés que rencontrent ces médias privés ont été évoquées à travers une déclaration commune. Parmi les difficultés que rencontrent les médias privés, on peut citer 1. L'attribution des agréments. 2. Les paiements des redevances. 3. Le renouvellement ou l'obtention des licences. 4. L'immatriculation du personnel des médias à la Caisse nationale de sécurité sociale et les contrats de travail. 5. Le paiement des impôts. Les travaux d'installation de la fibre optique se poursuivent. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour poser la fibre sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de faciliter l'accès à Internet à haut débit. La fin des travaux est annoncée pour fin 2018. Bamadou Saliouba fait l'état des lieux. Le chantier est ouvert depuis 2 ans. Le défi est de déployer la fibre optique sur une distance de 4000 km. Soit parcourir l'ensemble du territoire national. L'axe Conakry-Mamoun est déjà bouclé. Là où passent pratiquement les 70% du trafic, c'est entre Conakry et Mamoun, qui a été réalisé, vous le savez, par voie aérienne. Aujourd'hui, ce tronçon est fin prêt pour être commercialisé. Et nous espérons bien, dès le début de l'année 2018, c'est-à-dire plus tard, en mars 2018. Les travaux sont réalisés par Huawei Technologies sous la coordination de la société de gestion du backbone national. À ce jour, le chantier est exécuté à 70%. La fin des travaux est annoncée pour fin 2018. L'exécution de ce projet est en très bonne voie. Les travaux se subdivisent en plusieurs étapes. Les travaux de génie civil, c'est-à-dire en ce qui concerne les tranchées, vous les voyez le long des routes, suivi de la pose des fourreaux, suivi du tirage de la fibre elle-même. Le planning que le prestataire principal nous a donné, Huawei, ça sera en décembre 2018, la fin des travaux. L'opérationnalisation de la fibre optique sur l'ensemble du pays va faciliter l'accès à l'Internet à haut débit. La communication téléphonique sera aussi améliorée. La Guinée sera ainsi à la pointe de la technologie numérique. Je vous le disais en titre, des infrastructures socio-communautaires pour les habitants de Boké. La CBG, compagnie des bauxites de Guinée, procède à la remise des ouvrages réalisés. D'importants investissements sont faits pour répondre aux besoins des populations en matière de développement socio-économique. Tchernor Ousmane Diallo, reportage. Pour les femmes du marché de Kaingissa dans Kamsar, la joie est immense. Bénéficier d'un hangar afin de s'installer à l'abri des intempéries pour mener à bien leurs activités commerciales était un de leurs soucis majeurs. Chaleureusement, elles accueillent le directeur général de la CBG et sa suite, signe de gratitude pour avoir financé la construction de l'infrastructure tant souhaitée. Nous sommes contentes à tel point que les mots nous manquent. Nous avons eu un hangar moderne. À présent, nous remercions les chefs et nous leur prions davantage de nous aider pour qu'on ait un marché hebdomadaire, de l'eau potable et des routes.
Le hangar du marché de Kayengissa, c'est près d'un demi-milliard de francs guinéens d'investissement. Un investissement qui entre dans le programme de développement communautaire entrepris par l'entreprise pour développer les infrastructures sociales dans sa zone d'intervention. On va continuer et surtout en se focalisant sur les femmes et la jeunesse parce que ça fait partie de nos priorités en termes de renforcement des capacités, développement communautaire, en termes d'infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un an environ, le conseil d'administration a augmenté l'enveloppe dédiée au développement communautaire en le portant de 600 000 dollars, 2 500 000. Nous avons signé un contrat avec le CECI pour aider les femmes à mettre en place les activités génératrices de revenus. 17 ouvrages d'intérêt communautaire ont été réalisés en 2017 par la CBG. À Kolaboui, c'est l'école primaire de Yagisiran qui retient l'attention. Dans ce secteur, il n'existait jusque-là aucune école. Au niveau des parents d'élèves, les gens sont débordés de joie. Les cours ont commencé depuis le 2 novembre. La DPE avait procédé à une remise provisoire. Depuis cette date, nous avons recruté les élèves et nous y travaillons. Les infrastructures construites viennent accompagner les programmes de développement locaux des différentes communes. Des initiatives de nature aussi à entretenir le climat de paix dans la région. Des actions à encourager. Merci Tierno Ousmane Diallo pour ce reportage. Des parlementaires africains et européens apprécient le programme d'autonomisation des jeunes filles en cours dans notre pays. En séjour de travail en Guinée, ils se sont rendus à Dubreka pour voir et apprécier le centre d'autonomisation et de promotion des femmes. Ces parlementaires ont salué l'appui du gouvernement et ses partenaires en faveur des filles issues des milieux défavorisés. Mohamed de Camara. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Dubreka accueille des centaines de jeunes filles à la recherche des métiers générateurs de revenus. En 2014, 150 apprenantes, toutes filières confondues, ont obtenu leur diplôme de fin de formation. Aujourd'hui, elles arrivent à subvenir à leurs propres besoins. Les filles et femmes encore en situation d'apprentissage reçoivent la visite des parlementaires africains et européens en séjour de travail en Guinée. La démarche vise à encourager l'autonomisation des femmes à travers l'apprentissage d'une activité génératrice de revenus. J'avoue que c'est d'abord un constat de fierté. Je suis très fière quand je trouve un centre comme ça qui est très agréable et très propre. Et puis le nombre de filles, le nombre impressionnant de filles, de jeunes filles volontaires qui sont là, qui ne veulent qu'une chose, autonomiser, s'affirmer et prendre leur indépendance et leur vie en main. Ces centres, au nombre de 38 à travers tout le pays, bénéficient de l'appui de l'UNFPA qui compte dans son nouveau cycle de partenariat accompagner ces différentes structures. La vocation de l'UNFPA est d'appuyer le gouvernement dans ses politiques et programmes pour la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi pour les jeunes. Et ce centre est un centre qui donne du métier aux jeunes filles qui n'ont pas pu réussir dans la vie. Ce qui fait que donc nous les appuyons dans cet apprentissage de métier, mais en même temps en les sensibilisant, en les informant sur la santé sexuelle et reproductive. L'UNFPA appuie et continuera d'appuyer davantage ce centre. En ce temps de démocratie, ce sont c'est l'Assemblée toujours qui entérine les programmes et les stratégies des gouvernements. Donc si ces députés viennent pour nous voir sur le terrain, pour voir les besoins réels et que ce que nous leur disons à l'hémicycle, qu'ils voient les choses en face, ça facilite les relations, ça facilite l'appui des programmes et stratégies des gouvernements. Ces centres de référence à caractère socio-économique accueillent des jeunes filles et femmes issues des milieux défavorisés de la préfecture de Dubreka. L'ambition du ministère en charge de la promotion féminine est d'offrir une seconde chance aux filles déscolarisées et non scolarisées à se prendre en charge. Le ministre de l'Industrie en tournée dans les unités de production, Boubacar Barry, a visité deux unités implantées à Koya et s'est réjoui des efforts en cours, surtout en matière de création d'emplois pour les Guinéens. Abdelkarim Camara. Zone industrielle de Bentouraya, préfecture de Koya.
Depuis quelques semaines, cet établissement force l'admiration des visiteurs. L'entreprise fait parler d'elle dans la fabrication des câbles électriques. Les différentes caractéristiques de ces câbles sont au nombre de 22. Des fils et câbles utilisés dans toutes sortes de bâtiments. Donc c'est utile pour les BTP, les consommateurs, tout type de chantier en fait. Nous sommes en mesure non seulement d'écouler en Guinée mais aussi au-delà des frontières guinéennes. À quelques mètres de là, la créativité fait du chemin dans cet autre établissement. C'est une fabrique de matières plastiques composée de chaises, chaussures et autres articles. Elle produit 100 000 chaises et 1 million de chaussures par an. Je suis commerçant, j'ai importé beaucoup de pays. J'ai une initiative maintenant, je vais faire des productions pour moi pour diminuer l'importation. En visite dans les installations des deux entreprises, le ministre de l'Industrie est impressionné par la qualité du travail. Venir voir les installations, voir comment est-ce qu'elle est installée, savoir si un certain nombre de règles et de normes sont respectées et je suis très satisfait de cette visite. Le fait d'aider à ce que ces unités industrielles se mettent en place favorise la concurrence, donc offre la qualité et permet aussi de faire réduire les coûts pour que les populations puissent accéder à ces équipements-là. La fabrique de câbles électriques a un personnel d'une vingtaine de travailleurs fixes. L'atelier de matières plastiques emploie 30 personnes, dont 8 femmes. Dans les deux entreprises, le ministre de l'Industrie a beaucoup insisté sur le respect des normes internationales. Dans le but de rendre la ville de Conakry plus attrayante, l'État guinéen encourage les PME dans le ramassage des ordures. À Ratoma, deux quartiers sont devenus des modèles de propriété. Il s'agit de l'Ambagné Taouya, cela grâce à la PME Togobala Holding. Moussa Koumara signe son reportage. C'est devenu leur quotidien depuis plus de 2 ans. Deux fois par semaine, Arsène et Madi Oussila passent de ménage en ménage pour ramasser les ordures. Avec des moyens logistiques mis à leur disposition, ils acheminent ces déchets vers des points de regroupement identifiés par leur équipe. C'est un bon travail que nous sommes en train de faire pour nos populations. Sur le terrain, nous pensons qu'avec cette démarche, notre ville deviendra très propre et sa population va vivre sans maladie. Les activités de ces jeunes sont essentiellement basées en banlieue de Conakry. Il y a quelques années, le quartier de Lambagné avec ses 13 600 foyers avait des problèmes de gestion d'ordures. La situation s'améliore progressivement. Avec la venue de ces ONG là, sur le terrain, tout se passe dans les règles de l'art. Le quartier de Lambagné est devenu l'un des quartiers résidentiels propres, très propres. Présentement, on ne voit plus les ordures derrière les cours. La même opération se passe également au grand marché de Taouya. Ici, le marché n'est plus inondé d'ordures comme dans le passé. Environ une vingtaine de jeunes diplômés et non diplômés sont déployés pour assurer quotidiennement la propriété du marché. Le plan d'opération mis en place fait du chemin. C'était l'un des marchés, il faut le dire, vraiment très salissant, mais surtout les déchets jonchaient sur tout le long de la route. Et c'est un carrefour, c'est un passage vraiment où les personnalités, même des étrangers, parce qu'il y a plein d'ambassades qui sont dans le quartier de Taouya. Donc ça nous a amené vraiment à s'organiser et suite à un appel d'offres, on a eu ce contrat de nettoyage de Taouya. L'objectif de l'initiateur est de refaire de Conakry la perle de l'Afrique de l'Ouest. Dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation sera lancée dans les ménages. Le défi est de débarrasser Conakry des ordures. La lutte contre l'immigration clandestine. L'OIM poursuit ses actions sur le terrain. L'Organisation internationale pour les migrations implique actuellement les leaders religieux dans cette bataille. Fatima Touyalo. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, ouvre un nouveau front pour atténuer l'immigration clandestine. L'approche consiste à mettre à contribution les leaders religieux dans la lutte contre le départ massif des jeunes vers l'inconnu. La parole du religieux a beaucoup de poids, donc nous estimons, dans le cadre de notre campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière, qu'il est indispensable d'associer les leaders religieux, mais pas que, communautaires aussi, à cet effort de sensibilisation. Nous essayons de leur donner le vocabulaire
nécessaire pour comprendre déjà la migration, ce que c'est, quels sont les dangers de la migration irrégulière, quels sont les messages qu'il faut passer aux communautés et les outils qu'ils devront utiliser pour sensibiliser leur communauté. Sensibiliser les jeunes candidats à l'immigration clandestine est la mission assignée à ces imams et chefs religieux. Le secrétaire général a décidé de s'engager personnellement et il a engagé avec lui toute la communauté religieuse pour que nous donnions les bonnes informations à nos jeunes qui pensent que au-delà de nos frontières, c'est l'Eldorado, comme on peut le dire, c'est l'abondance, c'est le bien-être et tout ce qu'on peut nous miroiter. Ils ne savent pas les réalités et donc on se fait le devoir d'être aux côtés de notre cher État, de notre gouvernement, avec les institutions internationales qui nous appuient pour qu'on dise la vérité à nos jeunes. Ils se croient malheureux chez nous, mais ce n'est pas toujours le cas. On est toujours mieux chez soi. S'ils pouvaient le savoir. La collaboration entre le Secrétariat général des affaires religieuses et l'OIM va conduire dans les prochains jours à la conception de contenu de sermons et prêches. Ils seront dits dans les différentes mosquées et églises du pays à l'occasion des prières collectives. Et quelques nouvelles nationales, en plus bref et en images, des véhicules pour le personnel de l'éducation. La NOMA de la police vient de bénéficier des instruments de musique, un don de l'ambassade de Chine. Et puis, un incendie s'est produit dans un quartier de Jimbaya faisant des dégâts matériels importants. Younous Atawel Kamara. C'est un total de 15 véhicules neufs, dont 3 bus 32 places chacun, que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met à la disposition des travailleurs. C'est le fruit de la bonne gestion des fonds alloués à l'organisation des examens nationaux 2017. Sur un budget de 80 milliards, le département avait restitué 31 milliards après l'organisation des différents examens nationaux. C'est le lieu de remercier le président de la République. On a pu trouver 3 bus pour le personnel parce qu'on ne peut pas demander aux travailleurs d'être à l'heure au travail et quitter à 16h30 si vous ne leur créez pas de conditions. Pour la première fois depuis que ce département existe, les conseillers sont toujours à pied. Ces conseillers sont les collaborateurs directs du ministre. C'est mal vu de voir ces gens-là en train de marcher. La NOMBA de la police nationale peut désormais se frotter les mains. Elle bénéficie d'un important lot d'instruments de musique, des équipements offerts par l'ambassadeur de la Chine en Guinée. Premier Dijar au ministère de la Sécurité, ce don vient réveiller cette unité de la police nationale qui a cessé de participer aux animations des cérémonies officielles depuis Bellurette. La Guinée est le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la Chine il y a 58 ans. Depuis, notre pays s'est lié par une amitié traditionnelle profonde et solide. Et nos relations connues en développement sain et régulier, notre coopération économique et commerciale a donné des résultats fructueux. Cette dotation va nous permettre de renforcer la capacité opérationnelle de nos unités, et plus particulièrement de la NOMBA. Et ces instruments musicaux seront bien entretenus et les jeunes pourront mieux encore se perfectionner et travailler et enrichir leur répertoire. À Jimbaya, port de la commune de Matoto, un incendie s'est produit dans une famille dans la nuit du mardi à mercredi. Selon certains témoignages, un court-circuit serait à l'origine du drame. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. À 3 heures du matin, il y a eu coupure. Après quelques instants, c'est venu mais avec force. C'est ce qui a fait provoquer la masse. Nous avons vu les flammes. Les gens dormaient déjà. Donc, ils se sont réveillés avec la fumée avant que nous sortions pour faire appel aux gens de nous aider. C'était trop tard.
Les étudiants de la 7e promotion de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle. Cette promotion porte le nom de Mahatma Gandhi. La cérémonie a mobilisé encadreurs et étudiants et parents. Maurice Sidibé était de la partie. Ils sont plus d'une centaine de diplômés à entamer une nouvelle vie, celle du marché de l'emploi. 4 ans d'études pour certains et 3 ans pour d'autres, ces étudiants sortants ont suivi des formations dans plusieurs disciplines comme les sciences politiques, juridiques, économiques, mais aussi en journalisme et en communication. Nous remercions l'administration et le corps professoral de l'UQAO d'avoir eu cette patience de nous transmettre leurs connaissances, mais aussi de nous avoir appris à apprendre, à entreprendre et à être responsable. Des 3 ou 4 années qu'ils font avec nous, nous leur donnons de façon ponctuelle mais régulière des formations en capacité à recherche de l'emploi, en création d'emploi. Nous essayons de les outiller en tout cas pour affronter le monde de l'emploi, soit en allant chercher de l'emploi, soit en créant leur propre emploi. Ces étudiants reçoivent leur diplôme au moment où le marché de l'emploi se révèle incertain pour beaucoup de jeunes. Les responsables de l'UQAO invitent ces sortants à la persévérance. Les conseils que nous leur donnons, c'est de rester courageux, persévérants et puis de taper à toutes les portes. Parce qu'aujourd'hui, le marché est un peu saturé. Il faut, avec courage, continuer à chercher et ne pas oublier ce qu'ils ont appris à l'université ici. Cette 7e promotion de l'UQAO porte le nom de Mahatma Gandhi. Cette cérémonie officielle marque aussi la rentrée des nouveaux étudiants de cette université. Créée en février 2000 à l'initiative des évêques de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, l'UQAO est présente dans 7 pays africains. Sa mission est de transmettre et valoriser le savoir dans l'espace CEDEAO. Et puis la présidence de la République porte à la connaissance du peuple guinéen que les funérailles du commandant LH Moriba Kourouma, grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, décédé le dimanche dernier, 10 décembre à Bruxelles, sont prévues selon le programme ci-après. Journée du jeudi 15 décembre 2017, arrivée de la dépouille mortelle par le vol de la compagnie Bruxelles Airlines. Journée du vendredi 15 décembre 2017, 8h30, hommage rendu par la douane nationale à la morgue de l'hôpital Dias Dine. 9h, levée du corps à la morgue Dias Dine. 9h30, symposium au Palais du Peuple à Conakry. 12h, départ de la dépouille mortelle pour la grande mosquée Faisal de Conakry. 14h, inhumation au cimetière de Cameroun, que l'âme du commandant LH Moriba Kourouma repose en paix. Conakry, le 13 décembre 2017, bureau de presse de la présidence de la République. Sport, avant de refermer cette édition avec la 2e édition du tournoi corporatif, vous voyez donc en image, l'équipe de la RTG a éliminé son homologue du groupe Évasion sur le score d'un but à rien. L'Ouragan Football Club de la RTG se qualifie ainsi pour la suite de la compétition. Nous y reviendrons. C'est la fin. Voilà, donc vous voyez donc ce match de football qui s'est joué ce soir même à Conakry. La RTG a gagné 1-0 contre le groupe Évasion. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.